de faire une marche jusqu'à Opéra et donc si possible sans qu'il y ait trop de perturbations, Voilà, il espérons faut pas quoi. que ce soit que ça tourne, on va dire, à Le la but à travers ça, c'est comme au évidemment. Trocadéro, ce qu'on a vu, quoi. Il faudrait surtout pas ça. Ben non, il faudrait pas, non, mais bon, après, c'est vrai que si il faut être intelligent, il faut pas succomber directement aux gens qui nous agressent. Hein, faut vraiment faut être intelligent, faut être plus intelligent que ça. Après, c'est sûr que là, le but, l'intérêt, c'est de montrer vraiment à notre gouvernement que ça y est, il commence à y avoir des gens qui se manifestent. Pour l'instant, ça reste pacifique. Jusqu'à quand? Je sais pas, mais là, c'est vrai que notre France, on est vraiment en train de la perdre avec. Enfin, moi, je pense que c'est pas qu'avec ce gouvernement, c'est juste la continuité des autres gouvernements, c'est surtout ces 15 dernières années, 20 dernières années. Donc là, on peut voir une vraie perte d'identité déjà. Il y a aussi un taux de chômage qui explose littéralement, les taxes. Enfin, je veux dire, il y a mille et un problèmes. Les gens connaissent les problèmes, je ne vais pas les énumérer, mais bon. Et c'est nous qui avons le pouvoir, normalement c'est le peuple qui a le pouvoir, c'est pas le gouvernement. Donc Donc c'est vraiment une initiative citoyenne, parce que bon, tout à alors fait. je pose la question d'entrée, moi je suis un peu l'avocat du diable, non, je pose des questions qui fâchent. Il y a une polémique qui est née, j'ai lu un article en fait de François Asselineau de l'Union Populaire Républicaine, qui lui appelle à ne pas participer en fait à cette manifestation, donc c'est à destination évidemment des Pourquoi? militants de l'UPR, et dedans il parle que ce serait une manifestation pilotée, voire téléguidée, par certaines officines, en particulier le Front National, et il fait référence en fait, alors j'ai pas l'article sous les yeux, mais de toute façon, bon, ce sont les méthanautes, c'est comme ça qu'on les appelle, qui l'autre fois quand j'en ai parlé, m'ont immédiatement balancé cet article en me disant, oui, mais regarde ce que Asselineau a dit là-dessus. Alors il dit qu'il y aurait certaines officines derrière, que tout ça est un peu téléguidé, et qu'il s'agit en aucun cas justement d'une volonté, une manifestation citoyenne. Je sais pas ce que tu en Le penses, toi. propre de l'adversaire, c'est justement de faire véhiculer de fausses informations. Donc tu... Moi, je me fie surtout à ce qu'il y a décrit sur le site. Après, bon, on peut dire tout et n'importe quoi. Hein, tu sais comment c'est Internet. Hein, on peut dire tout et son contraire. Non, j'ai regardé, j'ai fait quelques recherches, j'ai rien trouvé de la sorte. Est-ce qu'il parle d'associations? Alors, il y a des associations qui sont citées, genre, j'ai plus les noms sous les yeux, mais une association... qui est soi-disant proche de l'UMP, une autre proche du Front National. Alors c'est des associations, je ne sais plus, mais bon, bah, vous qui êtes sur le chat, vous pourrez nous donner le lien, comme ça on pourra aller revoir exactement l'intitulé des associations, mais bon, toi tu dis non, c'est Moi, à c'est pas que première vue, je sais non. que non, c'est que je me méfie surtout des rumeurs, des Ouais. mensonges colportés, parce que je sais très bien que c'est la technique de l'adversaire, c'est justement d'amener des rumeurs, de semer le doute dans l'esprit des gens pour faire en sorte qu'il y ait le moins de gens possible, évidemment, quoi. C'est un peu ce qu'ils font, par exemple, entre Alain Soral et Dieudonné, par exemple. Ils inventent des rumeurs, ils inventent des petites guéguerres Oui, entre on eux, essaye de et comme laisser de ça, les voilà. diviser, Donc, ouais, souvent. voilà, non, je pense qu'au bout d'un moment, il serait intéressant d'arrêter de regarder tout et n'importe quoi, et puis de penser surtout aussi par soi-même. Et je pense que de toute façon, il doit y avoir un réveil massif, parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, ou sinon on va droit dans le mur. Je crois que c'était en 2010, je ne sais plus, en Islande, le peuple s'était soulevé, et le peuple avait vaincu. Je crois que tout est possible encore pour l'instant, mais Bah, si on continue l'Islande, comme ça. effectivement, alors l'Islande c'est un super exemple, mais c'est pas parce que c'est tout petit, ils sont 300 000, je crois. Je sais pas. C'est tout petit, mais effectivement, c'est le grand exemple. Parce que effectivement, on a l'exemple d'un peuple qui reprend sa souveraineté, ben, clairement. Absolument, absolument. Je crois que c'est ce qui est vraiment besoin. On voit bien, il n'y a plus de référendum depuis à peu près 4 siècles. Bah, Je de toute sais pas, façon, même quand il y en a, ils s'assiedent dessus, hein. On a vu avec moi, le je... référendum de la Constitution européenne, quoi. Ouais. Bon, en aucun cas, j'appelle à la révolte, à la violence ou à la haine ou des choses comme ça. Bien au contraire. Mais je pense qu'au bout d'un moment, jusqu'à quand les gens vont dire amen? Jusqu'à quand? Bon, Mais ce qu'il moi, faut, en plus, c'est... je suis quelqu'un de plutôt pacifique, j'ai horreur de la violence, des choses comme ça, hein, mais c'est bien beau de critiquer le gouvernement, dire ne pas être d'accord, mais bon, quand est-ce qu'on bouge, concrètement? C'est bien beau de rester assis dans son canapé et dire ouais, ah, c'est pas bien. Ah Ouais, ouais, c'est pas bien, c'est mais clair qu'à un moment donné, il y a une volonté à mettre...
à mettre en place. Alors, dédicace hein, évidemment à tous les gens sur le chat, parce que c'est le troisième homme, je ne vous oublie pas. Hein, il y a Polo de Lisbonne, il y a Ozzy, Wes Osirius, Eleftero, Scorpion, Mister Kennel, QSR, Killuminati 93. Ah, voilà, Will of Free Future, Rogelio, mon cher Rogelio, Emiak, etc. Donc voilà, bon, pour le moment, ça commence bien, tu vois, pas d'insultes, oui, on nous dit bonsoir. Bonsoir Morgane, salut à tous, salut la régie. J'ai Morgane. Pas un Dracula ou un petit sataniste. Non, pas encore. LOL, il a un drôle de style l'invité. Ah, ah. C'est caméra. Et voilà. Un petit réflexe, une petite réflexion. Bon, ça va, c'est pas méchant, c'est pas méchant. Je sais pas. Non, même moi j'avais mis dans la pub. Ah non, mais j'ai l'habitude, hein, tu sais. Ça peut être... Mais c'est ce que tu m'as dit. Tu m'as dit, oh, j'ai l'habitude, les gens, je subis beaucoup d'insultes. Un look de issu de la culture goth, c'est forcément difficile à vivre. Et c'est quoi ça En France, en Allemagne, tu sais que c'est beaucoup plus facile. C'est quoi justement gothique? Parce que moi je connais pas très très bien. La culture gothique, c'est une contre-culture qui est arrivée à la fin des années 70, début 80. Avec le mouvement punk, donc c'est un mouvement contestataire à la base, et donc c'est un mouvement beaucoup anti-système. En général, les goths n'aiment pas trop le je dis bien en général, hein, ouais. Il y a toujours exception à la règle, mais en général, ils n'aiment pas la politique, ils sont un peu, pas en marge, mais bon, ils n'aiment pas trop le système. Mais c'est vu comme un peu, enfin, excuse-moi, mais sataniste un peu, non? En fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le satanisme, c'est pas un look. C'est pas un look, le sataniste. Tu peux être habillé en jogging ou en costume cravate, et tu le sais, et être sataniste. Ça n'a rien à voir. C'est pas parce que tu es habillé en noir que sinon, alors les prêtres ou alors les tout, je veux dire, ce sont satanistes. C'est pas parce que tu es habillé en noir et que tu as un look un peu soigné que... Non, c'est aussi un mode de pensée assez anticonformiste, si je puis dire. Je suis pas quelqu'un de très attiré par le luxe, et puis bon, je trouve que se sentir adapté à ce système-là, je crois que c'est avoir un problème. Et je m'y sens pas adapté, et puis bon, moi je suis un artiste et je le revendique de par mon image, c'est un moyen de véhiculer justement cet état d'esprit-là, et puis bon, après tout, je fais de mal à personne. Après, c'est sûr qu'en France, on va souvent s'arrêter au paraître. Hein. C'est d'ailleurs un problème. Il y a un travail énorme à faire, je crois, là-dessus. Beaucoup de gens devraient essayer d'éviter de regarder trop l'enveloppe. Enfin, on la regarde, l'enveloppe n'est qu'une enveloppe. Le contenu est souvent différent. Mmh. Et c'est ça qui est important à savoir, parce que nos hommes politiques, ils ont des beaux costumes, des costards cravates, tu sais, ils ont des beaux discours, etc. Et tu ne doutes pas de leur vraie vie. Tu ne doutes pas une seconde de leur vraie vie. Et eux amènent le monde au chaos. C'est pas des mecs comme moi. C'est pas des gothiques ou des... Et puis fondamentalement, gothique, c'est un mec extrêmement réducteur. Ça veut dire que je suis enfermé dans mon petit truc et tout ça. Moi, je me réveille pas le matin en disant je suis gothique. Je m'en fous. C'est un style qui me plaît. C'est un style. Ça fait 17 ans que je suis comme ça, tu sais. Donc, quand je vais en Allemagne, ça passe super bien. En Angleterre aussi, à Camden, des choses comme ça. Mais quand je reviens en France, c'est vrai que, faut l'assumer. Hein. Je crois pas que ça soit adapté à tout le monde. Ouais. Et c'est pas une mode, d'ailleurs, parce que si tu marches dans la rue, des mecs comme moi, t'en vois pas. Donc, c'est pas une mode. C'est pas une mode vestimentaire, non. Non, moi je connais le gothique, voilà, j'ai l'impression que c'est un mouvement. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Et Morgan Price est juste gothique, il écoute du black death metal. Son pseudo Price est en dédicace au groupe Judas Price. Non, mais d'ailleurs j'écoute pas de métal. Ah ben voilà. C'est un peu le cliché qu'on a, c'est vrai. On dit gothique, métal, espèce de... Encore une fois, gothique, c'est vraiment réducteur. Hein. Ouais, ça voudrait dire que t'es enfermé dans ton monde, et moi, il y a mille et une choses que j'aime qui n'ont absolument aucun rapport avec cette culture. Hein. Ah oui, parce qu'on nous dit bonsoir à tous, content de découvrir cette personnalité du net, ancien franc-max, sataniste, culturiste, pour Dieu d'eau, et cineste, prima cam, normalo, quoi, qui es-tu? C'est subversif qui nous dit ça. Qui es-tu? Moi, je suis un cinéaste. J'ai présenté des films au Festival de Cannes, j'ai fait pas mal de choses. J'avais envie de faire partie de la fausse famille du showbiz, alors j'ai fait beaucoup de sociologie, j'ai étudié sur quoi reposait ce système concrètement. Je me suis aperçu qu'il y avait une certaine communauté dominante qu'on n'a pas le droit de citer. Puis ensuite, je me suis aperçu qu'il y avait énormément de francs-maçons aussi dans l'industrie du spectacle, ouais. Et différents lobbies. Donc, et toi, tu étais franc-maçon aussi. Donc, je suis intégré à la franc-maçonnerie. J'ai pas été coopté, mais bon, quand ils ont vu ce que je faisais, ça les intéressait parce que c'est très élitiste. Donc voilà, je voulais vraiment œuvrer pour ma carrière.
et aussi me servir de l'occultisme pour à mes fins personnelles, pour réussir dans la carrière, tu vois. Et donc j'ai eu différents événements et j'en suis sorti et je me suis converti au christianisme. Alors je sais, il y a encore des gens qui disent, ah, il y a bien noir, ah, chrétien, c'est pas possible. Bon, c'est pas grave. Toujours est-il que le jour où je me suis converti au christianisme, dans les semaines qui ont suivi, j'ai eu la chance d'avoir un partenariat avec une société qui travaille pour YouTube et qui me permettait enfin de pouvoir gagner ma vie avec toutes mes réalisations. Donc là, enfin, j'ai pu tout plaquer cette idée de faire partie de cette De cette communauté de grande showbiz famille, hein. pour vraiment faire exactement ce que je voulais, sans retenue ni rien du tout. Et voilà, donc j'ai la chance d'être un artiste tout à fait indépendant, réellement indépendant. Je crois que ça se voit dans ce que je fais, et de vivre aussi de ce que je fais aussi, c'est quand même bon, et pas le choix aussi, quoi. Donc je suis à plein temps dans ce que je fais. Et voilà, en gros, qui je suis. Non, mais c'est un parcours vraiment pas commun quand même, quoi. Non, 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 c'est un parcours relativement singulier, d'autant que j'ai un parcours même avant, très occulte, avant la franc-maçonnerie. Et c'est vrai que le fait de pouvoir être cinéaste indépendant, j'ai tourné mon premier long métrage l'année dernière et je l'ai mis exclusivement sur YouTube pour que aussi ça puisse me rapporter. Il n'y a pas eu de sortie DVD ni rien du tout, mais c'est vraiment, au moins ça me rapporte. Et puis là, il y a un deuxième long métrage qui est en préparation et en parallèle, je fais toujours pas mal de petits sketchs plus ou moins engagés. Plus assez tordu, des choses, j'aime bien le burlesque, les personnages complètement, tu vois, c'est les beaufs, les trucs comme ça me fait marrer. Puis je suis aussi podcasteur, j'essaie de répondre à pas mal de questions. D'ailleurs, je m'excuse auprès de mon audience, hein, si parfois je réponds pas, parce que je reçois énormément de mails et j'aimerais répondre à tout le monde, mais c'est pas possible. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Non, mais j'écoute du métal et dans le milieu, je suis bien passé pour savoir qu'il y a des gothiques en masse. C'est Ozzy qui dit ça. Ah oui, il y en a plein. Voilà. Ozzy, je ne le vois pas écouter du Claude François ou du Jennifer. C'est clair. Mais pourquoi pas, je veux dire, un goth pourrait également aimer Claude François. C'est pas, je veux dire, on a le droit, par C'est pas exemple, d'aimer. compatible, Non, c'est pas incompatible, t'as le droit, t'es pas enfermé, t'es pas dans une secte, tu as le droit d'aimer, je sais pas, du rap. C'est pas grave, c'est pas une maladie, tu vois. Faut un peu C'est drôle un démystifier le peu. Bah truc. oui. Alors, QSR, il nous dit, de quelle loge maçonnique faisais-tu partie? J'étais à Memphis Mizraïm, c'est une loge qui donc t'as plusieurs, t'as vraiment Alors, t'as c'est quoi? Il n'y a pas deux grosses, le Grand Orient et puis la GNNF, c'est ça? Et ouais, la puis Grande là, Loge de France, t'as le voilà. droit humain, Et après, le t'as la reste, c'est des loge. filiales un peu, ou comment Oui, c'est ça? en fait, t'as trois rites Les principaux. principaux, ouais. T'as le rite Dior qui se compose, je crois, en 13 degrés, t'as le rite écossais qui est en 33, et t'as le rite de Memphis Mizraïm, un rite égyptien qui est en 99 degrés, qui est fait. Qui... Mais en fait, tu sais, les degrés, tu les montes pas un par un, en fait. C'est souvent 3 par 3, par 4, ça dépend. Et le but, c'est d'aller plus loin dans l'illumination. Moi, j'étais dans une loge surtout occultiste, très gnostique. Et moi, c'est ce qui m'intéressait, hein, la gnose, pour pouvoir avoir l'impression d'être une sorte de dieu, tu sais. Tu sais, d'avoir un sentiment de contrôle sur ta vie, alors ce qui est absolument faux. Et voilà quoi, c'est le but, c'est d'évincer Dieu pour te prendre toi-même pour un propre Dieu et d'être gonflé de ton orgueil, C'est ça, c'est ton dingue. ego. Mais c'est quoi le but final de la franc-maçonnerie? Franchement, est-ce que t'as... En fait, les 90% des francs-maçons sont des gens globalement bien, tu vois. Même ceux qui sont en politique, il y en a beaucoup qui ne savent pas qui ils servent réellement. Le fond de tout ça, à mes yeux, et d'après toutes les synthèses que j'ai faites, et moi, je suis pas spécifiquement quelqu'un d'intelligent ou de très super cultivé, je suis pas théologien, ni rien, mais j'ai vu ce que j'ai vu, et tu sais que par exemple, quand tu es en loge et que tu reçois la lumière, bon, bah là, ils te disent pas de quelle lumière c'est, ou alors ils vont te dire que c'est symbolique, des choses comme ça, mais en Ouais, fait, ce qui se c'est le passe, roi des symboles. Ouais. c'est que tu reçois la lumière luciférienne, hein. Lucifer, ça veut dire porteur de lumière, donc il y a ça, et puis bon, moi, j'étais dans une grande loge au Grand Orient. Et bon, là, tu as une grande fresque avec tout en haut un ange qui porte un flambeau. Et c'est l'une des représentations de Lucifer. Alors j'ai demandé à des frères, et même des très hauts degrés, hein, aux vénérables maîtres, des conneries. C'est ridicule, je trouve. Mais enfin bon.
ils me disent qu'ils savent pas. Tu vois, c'est soit c'est l'ange Michael, soit le. Tu vois, mais moi je me suis renseigné beaucoup aussi sur Internet et j'ai discuté avec beaucoup de francs-maçons de toute obédience et de différents degrés. Des gens qui avaient un fort pouvoir d'ailleurs en société. Et il y en a qui me l'ont dit. Ils m'ont dit c'est Lucifer. C'est Lucifer. Bah, le porteur de lumière, ça. Une fois, j'ai demandé, j'étais dans ma voiture, avant une tenue maçonnique, c'est comme ça qu'on appelle un rassemblement, une tenue, et je demande à Dieu, avec le peu de foi qui me caractérisait, est-ce que je suis vraiment dans une confrérie, dans une secte luciférienne, sataniste, quoi. Lucifer, c'est Satan. Et là, la tenue se passe et je me faisais chier. C'était la dernière planche, c'était sur d'un des frères, c'était sur l'alchimie. Et je me faisais chier vraiment, c'était ennuyeux. Et comme disait un mec sur internet, ça aurait été plus agréable de regarder un glaçon fondre. Et je me faisais vraiment chier, je me sentais, vraiment j'en avais marre. Et je les écoutais, tu sais, se congratuler entre eux, tu sais, ah ouais, c'est intelligent, ah ouais, c'est très intelligent ce qu'il vient de dire, alors que c'est de la merde ce qu'il vient de dire, mais bon, c'est pas grave. Vraiment, ça se gonfle, ça gonfle de leur ego, je trouve. Et pourtant, moi qui trouve que j'ai aussi beaucoup d'ego, tu vois, moi je trouvais qu'ils en avaient encore plus que moi à ce moment-là. Bref. Et après, il y a les agapes, c'est-à-dire le repas. Et là, j'étais en face d'un visiteur qui était venu nous voir. Et là, je commence à parler, et lui parler de choses et d'autres en rapport à Lucifer. Et au bout d'un moment, il me dit clairement, oui, tu es luciférien. Mais les frères et sœurs, en étant en bout de table, ils disent, mais les frères et sœurs ne le savent pas. Tu es luciférien. Il dit d'accord, c'est bien ce que j'avais compris. Il dit ouais. Ah, donc. T'as beau le. C'est ça qui est incroyable, c'est que t'as beau leur dire, ils ne comprennent pas. Et si tu veux, comme ils sont dans d'autres domaines, dans politique ou dans autre chose, dans des affaires quelconques, ils vont pas faire les synthèses en fait. Ils ne peuvent pas savoir quel plan ils servent et à qui ils servent vraiment en fait. Parce que c'est ça qui est incroyable, c'est qu'on se demande, voilà, tous ces francs-maçons. Qui souvent, on le sait, il y a des profs, des flics, oui, voilà, oui. Il y a tout un tas de professions comme ça qu'on retrouve, et des gens qui sont assez honorables, les médecins, etc. Oui, oui. Et ces gens-là, je pense pas qu'ils pensent faire le mal, quoi. Ah non, non, non. Et pourtant, nous, en dehors, hein, on pourrait dire les profanes, on a le sentiment, effectivement, que c'est cette secte un peu complote, enfin, ça ressemble à un réseau, quoi. Voilà, les tenues maçonniques, c'est pas ça vraiment le problème. Tu travailles sur des planches, donc un sujet qu'on va te proposer, ou que parfois tu peux même proposer. Et en fait, tu vas donc exposer ton sujet, et puis eux récupèrent ta planche. Et ça, tu sais pas pourquoi ils la récupèrent en fait. Est-ce que ça sert pas à leur hiérarchie justement pour savoir si on peut pas t'utiliser ou des choses comme ça? Parce que j'ai constaté que chaque personne monte, hein, monte dans les degrés de manière, tu vois, c'est pas tous à la même vitesse. Tu vois, ça, en fait, ça dépend de l'utilité que tu as. Tu peux arriver au 33e degré et ne pas savoir ce qu'un autre 33e degré va savoir, tu comprends? D'accord. Et c'est très élitiste. Et par définition, l'élitisme, c'est du satanisme. Le satanisme, c'est les meilleurs des meilleurs. Tu vois, c'est le best of the best. Alors que c'est l'opposé du christianisme. Ouais. Où là, justement, c'est que les plus hauts doivent se mettre comme les plus petits. Pour les croyants, c'est-à-dire que Dieu se fait homme en Jésus. En fait, c'est le même, mais tu vois, par son Saint-Esprit. Ça, c'est la doctrine chrétienne. Donc, c'est un opposé. Il y a le culte du secret aussi. Rien, Jésus le dit bien dans la Bible, rien de ce qui est secret ne doit exister de secret, tu vois. C'est le culte du secret. Déjà, quand il y a du secret, il faut se poser des questions. En fait, on s'aperçoit que même quand on pose la question à des profanes, hein, personne ne sait ce que c'est la franc-maçonnerie, concrètement. Personne. Bah, c'est dur à c'est le culte du secret. On se dit, c'est quoi ce... Par exemple, si tu veux connaître ce qu'est le christianisme, tu lis la Bible, ouais, voilà. Tu sais ce que c'est. Ouais. Là, tu as beau lire 1000 livres sur la franc-maçonnerie, tu ne sauras jamais concrètement ce que c'est. On va te la vendre comme une école de la pensée, contre un perfectionnement humain, spirituel, etc. Mais ça, c'est la couverture. Ouais, au mieux, un cercle de pensée, au pire, un espèce de réseau... de personne, mais on voit pas trop la finalité, quoi. Moi, il me fait beaucoup d'infos là-dessus, j'ai du mal à capter des fois le fond de la finalité de cette le fond pour l'élite maçonnique,
c'est le top du top, ce serait de créer une gouvernance mondiale, quoi. Ah Comme se disent aux États-Unis, une globalisation, quoi. C'est ça vraiment le fond du fond. Et pour y aider, il y a différentes branches en franc-maçonnerie, comme notamment ce qu'on appelle les Illuminati, qui est une branche maçonnique. Alors, rentrons le pied dedans, parce qu'on a déjà eu cette discussion avec lui d'Alencourt ici, il y a plein de gens qui n'étaient pas d'accord, qui nous disaient on s'est fait troller pendant des semaines sur cette affaire des Illuminati. Ça existe les Illuminati? Alors, elles sont les Illuminati existent, c'est une organisation qui œuvre principalement aux États-Unis, il y en a aussi en France, en Angleterre, à gauche, à droite, mais principalement aux États-Unis, qui œuvre pour une gouvernance mondiale. Et, on parle souvent des Illuminati de Bavière, les Illuminés de Bavière, d'Adam Weishaupt. Mais cette idéologie-là, elle existait avant et elle a largement perduré aujourd'hui. Et ils savent que pour la créer, tu dois contrôler le système monétaire, la religion, et le but, c'est vraiment d'uniformiser, standardiser l'être humain, en fait. En faire un être, voilà. C'est pour ça que d'ailleurs, on a fait aussi d'une mode le métissage, tu vois. C'est vraiment le but. C'est quelque chose de naturel, le métissage à la base. C'est-à-dire un noir, un blanc une blanche qui se marie, c'est normal, mais quand on en fait une mode, quelque chose de. C'est devenu une philosophie, effectivement, une idéologie. Beaucoup de noirs veulent être plus blancs, les blancs veulent être plus noirs, avec des tonnes de bronzage et tout. Il y a l'idéologie de forcer le métissage, je suis complètement d'accord avec ça. Mais c'est fourbe. C'est pas. D'ailleurs, pour faire du. Quelque chose de mauvais, il faut être fourbe, il faut le faire insinueusement et de manière séductrice. Tu vois. Là, tu fais bien le mal. Par contre, si tu arrives avec tes gros sabots, tu dis, ah putain, ça, non, là, c'est pas bon, là, ça n'a pas marché. Il faut vraiment y aller doucement. Donc là, le concept, j'y reviens, le concept même de l'élite maçonnique, je parle bien de l'élite, hein, donc ouais, ça englobe vraiment une toute petite partie des francs-maçons. La franc-maçonnerie est utile pour leur réseau, des choses comme ça, tu vois. Donc quoi, la franc-maçonnerie, elle aurait pu influencer, par exemple, pour le développement de l'immigration en Europe, quoi. En fait, toutes les lois viennent de la franc-maçonnerie. Ils sont d'abord discutées en loge. Surtout les lois sociales, tu penses, justement. Toutes les lois, de toute nature. Ah ouais, moi, ouais, tout, tout. J'ai participé à une tenue, c'était à la Grande Loge de France, et ça rassemblait des francs-maçons, je sais plus, on était au moins 200, un truc comme ça. Je crois que je devais être le seul dedans, avec mon costard-cravate. Je me faisais chier. T'es venu comme ça, non? Non, toujours costard-cravate, t'es obligé, t'as pas le choix, avec ton tablier de merde. Et en fait, c'était un rassemblement, une tenue, et il était évoqué principalement l'Europe. Comment renforcer l'Europe? On pouvait faire nos dons, voilà. Tu pouvais donner ton fric pour renforcer l'Europe. Renforcer l'Union européenne. Et il a même été évoqué le groupe Bilderberg à un moment donné. Moi à la fin j'ai été voir la personne qui faisait la narration. Et c'était un Anglais. Ça rassemblait des Anglais, des Suisses, des Belges. Et je lui dis, tu as évoqué à un moment le. Parce qu'on se tutoie toujours entre nous. Tu as évoqué à un moment donné le groupe Bilderberg. Est-ce que tu peux m'en dire plus? Moi il me dit bah. Il banalisait la chose, hein. Il dit bon, c'est des gens importants qui se rassemblent, puis qui parlent, hein. Il n'y a rien de mal à se rassembler et de parler. Je dis, on prend quoi pour un con ou plus par hasard. Donc, enfin, je n'ai pas dit bien sûr, mais le groupe Bilderberg, c'est pas juste des hommes comme ça qui se regroupent pour parler. C'est que des gens. Ils ne sont pas là pour boire le thé, quoi. Enfin, c'est pas ce qu'on imagine. Bah, là, on nous dit notre invité fait la différence entre la franc-maçonnerie provinciale et la franc-maçonnerie mondialiste. Très bien. Cela dit, les loges influencent largement la société en s'intégrant au sein de l'appareil d'État. Devrait-on dissoudre ce corps intermédiaire contraire à la Constitution? Tu penses que ça c'est Subversif qui pose cette question. Est-ce qu'on doit dissoudre la franc-maçonnerie quelque part? Absolument. Ah toi tu le penses vraiment aussi. Il n'y a pas besoin d'avoir des groupes de gens qui sont groupes qui dans le culte du secret comme ça. C'est tout à fait. Non, si tu commences à avoir des secrets, c'est qu'il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi? Bah oui, c'est ça, c'est qu'est-ce qu'il y a à cacher? Parce que forcément, qui dit secret, il y a à cacher. Alors. S'il connaît des personnes qui donnent la pensée maçonnique, il nous dit s'il connaît la cabale lourianique portée par le franquisme donné en séance aux francs-maçons. C'est vraiment Gilio qui nous dit. Il y avait pas mal de cabalistes en loge.
Ça fait partie du truc. Ils étaient aussi martinistes. Ouais. Rosicruciens. J'ai participé à pas mal de conférences rosicruciennes. Là, pareil, c'est que de la. C'est bon, la Rose-Croix, c'est pareil, c'est pas vraiment affilié à la franc-maçonnerie, mais beaucoup de maçons sont rosicruciens. Et étrangement, c'est pas bien de se le dire entre eux parce qu'il y a une petite concurrence, tu vois. Et la Rose-Croix, c'est purement gnostique aussi, hein, c'est-à-dire occulte. Ouais. C'est, tu travailles sur le développement de spirituel, tu vois. Mais en tout cas, tout en évinçant Jésus, ou en tout cas, quand tu aimes Jésus, tu le reconnais en aucun cas comme fils de Dieu et Dieu incarné dans la chair ou prophète pour les musulmans. C'était un magicien, c'était un gnostique, c'était quelqu'un qui avait tout compris. Par exemple, quand il marchait sur l'eau, c'était son corps éthérique selon eux. Des choses comme ça, c'est des choses que toi tu pourrais faire. Donc je te défie de avec toute la foi que tu peux avoir, de marcher sur l'eau, de faire renaître un mort. Alors qu'est-ce qu'on dit, c'est vrai, c'est sérieux. Connaissez-vous Bill Schnobelen, pardon? Ancien franc-maçon américain, il aurait collectionné les grades initiatiques et les titres maçonniques, 32e degré du rite écossais ancien et accepté, 90e degré du rite Memphis Mizraïm, 10e degré du rite Yom, 2e degré de l'église de Satan, etc. etc. 32e, c'est en fait normalement, c'est le 31, 32e et 33e degré sont affiliés. Ouais. C'est les trois en même temps normalement. Ah d'accord. Parce que. On nous dit aussi, ah bah, est-ce que tu connais Aleister Crowley et Anton Levey? J'ai lu deux livres d'Aleister Crowley, et je crois que c'est le fondateur de la Golden Dawn en Angleterre. Pour moi c'est des losers, hein, ces mecs-là. Hein. C'est des mecs qui ont. Il se vante lui-même d'avoir tué, je sais plus combien de gamines. La Golden Dawn, c'est obdoré. La Golden Dawn, c'est une société gnostique encore. Gnostique encore. Occulte. L'occultisme, c'est du satanisme. Quand on te dit magie blanche, magie noire, tout ça, c'est ton intention qui change. Mais de la magie, c'est de la magie. De la magie, d'un point de vue encore une fois croyant. Moi je parle beaucoup de ça parce que je suis croyant, c'est contraire à Dieu. Tu n'utilises pas des choses comme ça. Normalement, pour un chrétien, tu remets tout ton destin et toute ta foi en Jésus-Christ. Mmh. Et c'est ça qui t'aide. Et en aucun cas en quelque chose d'occulte, une soi-disant force divine, un ange ou tu sais, ou tous ces trucs séducteurs, tu vois. Ouais, d'accord, ok. Oui, parce que c'est. Alors on nous dit Mizraïm, c'est pas la loge de Crémieux et son protégé Maurice Joly, auteur des dialogues de l'enfer entre Machiavel qui ont inspiré le protocole des sages de Sion. Je sais pas. Ah. Je sais pas. J'ai des connaissances. Je peux parler que ce que je connais. Hein. Évidemment, je veux. Ah ouais. J'ai étudié aussi à côté de mon appartenance, mais c'est vrai que j'ai pas. J'ai pas été super haut dans les degrés ni rien. Ouais. T'as trois degrés principaux, hein, apprenti, compagnon, maître. Je me suis arrêté à compagnon et heureusement parce que quand tu deviens maître, tu te fais, ça dépend des rituels, mais d'un point de vue général, hein, tu te fais, tu es enfermé dans un cercueil, voilà, avec des draps mortuaires qui représentent donc un tombeau. Ah oui, carrément. Ouais. Pour la résurrection, c'est quoi? Ouais, ouais. J'en conclus que c'est, tu meurs, tu renais de nouveau, tu sais. Ouais. Ça doit être une offense à Jésus en fait. Parce que dans le monde du mensonge ces gens-là, il faut virer la vérité. Et la vérité, le seul à avoir dit je suis la vérité, il n'y en a pas deux, c'est pas Bouddha, c'est pas je sais pas qui, hein, c'est Jésus. Je suis la vérité. Donc dans le monde du mensonge, tu dois évincer la vérité. Et c'est pour ça que d'ailleurs, aujourd'hui d'ailleurs, les églises se vident, il y a de moins en moins de croyants avec la laïcité maçonnique, qui est une autre forme de religion. C'est la compagnon qui le dit, on est tranquille. Donc grâce à la laïcité, indirectement, tu arrives à imposer ce qu'on appelle le nihilisme et l'athéisme. Et ça, c'est super pour déstructurer aussi un pays, parce que le socle d'un pays, c'est sa religion. Tu lui enlèves ça, tout dégringole. C'est énorme. Ça. Alors on nous dit aussi... salut, ça c'est Jacques. Est-ce que tu as pu bénéficier concrètement du fameux réseau d'influence des frangins? Si j'avais persévéré, oui. En fait, moi, le but, c'était... Parce que moi, j'ai voulu sauver aussi mon âme. Parce que, hein, si j'étais pas sorti de franc-maçonnerie, j'ai laissé mon âme. Et donc, voilà. Mais ça marche vraiment, quoi. Au sein même de la maçonnerie, tu as donc ce qui se passe dans les tenues. Mm-hmm. Mais ce qui est
ce qui est le plus dérangeant, c'est ce qui se passe en dehors. Tu vois, ils se regroupent entre eux, ouais. on va à un repas, ou rendez-vous chez toi, ou chez moi, ou oui, tel endroit. Et là, ils font des business, ils peuvent faire des business entre eux, tu vois. Il y a une fraternité, mais toujours une fraternité intéressée. Hein. C'est jamais pour tes beaux yeux, ou une chose comme ça, tu vois. Et donc, au sein des loges, tu as ce qu'on appelle des fraternelles. Et les fraternelles, j'étais en train d'en intégrer une. Il fallait que j'atteigne le niveau de maître pour l'intégrer. Et moi, grâce à Dieu, je suis sorti avant. Ouais. Mais donc, j'étais parti pour intégrer une fraternelle du spectacle, tu vois. Parce qu'il y a des fraternelles dans tout. Ah, dans tous les secteurs, ah, d'accord. Ouais, dans tout, dans des domaines. Dans leur domaine. Ça a remplacé les corporations, alors, ce truc-là. Ouais. C'est un peu ça. Ce sont les nouvelles corporations, mais très élitistes, ouais. Pour le coup, alors, qu'est-ce qu'on nous dit aussi? Voilà, alors le troisième temple de Salomon, je sais pas pourquoi ça vient, mais c'est vrai. Ah, c'est peut-être par rapport quand je posais la question de savoir, oui, un des objectifs, le troisième temple de Salomon, ça, c'est un objectif de la franc-maçonnerie? Parce que c'est pas la première fois qu'on me le dit, ça. Ouais. Ils ont l'objectif de construire un troisième temple. Alors, Jacob Cohen, qui était ici avec nous, nous a confirmé qu'en Israël, effectivement, ils avaient pour objectif de construire un troisième temple. Mm-hmm. Mais il paraîtrait que la franc-maçonnerie, elle, serait là pour épauler ce projet, pour le promouvoir. J'ai pas eu d'informations à titre personnel là-dedans. J'ai rien entendu par rapport à ça. Ce serait pas étonnant, quoi. Ah non, absolument pas. Non, ouais. non. Encore une fois, la franc-maçonnerie, c'est un moyen de se regrouper entre hommes d'influence et d'influer. Et tous ceux qui sont en bas de la pyramide, c'est-à-dire finalement 80 à 90%, n'en savent rien de tout ça. Ils sont avec leurs petites affaires, leurs petits trucs. Ils ne savent pas vraiment ce qui se passe dans les hauts degrés. Ne serait-ce que par exemple, à la fin de chaque tenue, tu as ce qu'on appelle le tronc de la veuve. C'est-à-dire tu donnes ton argent et c'est supposé aller à une œuvre caritative ou un truc comme ça, tu vois. Ah bon? Mais en fait, on ne sait pas où va l'argent, tu vois. Et où cet argent-là, tu peux donner ce que tu veux. Donc il y en a qui donnent 5 euros, 10 euros, hein. Mmh. C'est un gouffre Afrique. Et en fait, l'argent, on ne sait pas où il va concrètement. Concrètement, c'est mystique ça quand même. Là pour le coup, ça fait un peu sec là quand on nous dit ouais, machin, ça fait un peu bizarre. Bah, tu sais, à partir du moment déjà où quand tu es debout et que tu as déjà la main à la gorge comme ça, qui signifie je préfère avoir la gorge tranchée plutôt que de révéler les secrets qui m'ont été confiés, et qu'après tu tranches et tu fais le truc d'équerre. Faut se poser des questions déjà. Ça commence comme ça. Ouais, tu dois faire. Ouais. Le fameux geste, il est connu. Genre, si je trahis les secrets, je tranche. Bah, dans ce que je dis, il y a des choses qui peuvent se vérifier sur des sites informatifs. Hein. Il y a des choses que je dis qui ne sont pas vraiment des scoops. Bah, moi, je la connaissais, ce rite-là, la fameuse cérémonie du bandeau qui s'appelle quand. Passage sous le bandeau. Ouais. Voilà. Alors ça, c'est avant l'initiation. C'est avant l'initiation. Ouais, c'est-à-dire que tu es en loge, ouais. Tu es au milieu d'une loge et que t'as tes futurs éventuels frères et sœurs qui sont autour. Enfin, moi, je suis dans une loge mixte, donc frères et sœurs. Et là, ils te posent des questions. Et voilà, moi, j'ai aussi participé. Donc, j'ai fait ça, mais j'ai aussi participé à ça où j'ai posé des questions à des profanes. Et à la fin, on délibère. Et quand tu délibères, donc, tu as des boules noires et des boules blanches. Voilà. Ça vient Black Boulet, pareil. C'est ça, Black Boulet. D'ailleurs, c'est ce qui se passe aussi dans l'organisation Le Siècle. C'est une organisation aussi très influente. Très influente. Aussi, et ça aussi, c'est fermenté par la franc-maçonnerie. Pour y entrer, c'est le système des boules. D'accord. Pour ceux qui pour avoir son ticket d'adhésion table des... Eh bye. À la table, le club Automobile France. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Il est pas mal l'invité, je suis plutôt surpris, tu vois, c'est vrai. Il y a des gens, parce qu'ils commencent à me chambrer, mais finalement ils disent non, c'est plutôt pas mal. Ah bon? Voilà, ça va, je suis bien là. Voilà, ils vous trouvent pas mal. Ah, vous le trouvez pas mal, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit, Jacques? Moi je vois ça comme un réseau d'entraide, d'influence et de lobbying qui s'habille de mystère et d'ésotérisme pour mieux recruter et tenir les petits grades en faisant miroiter qu'ils vont accéder à un savoir suprême qui profite surtout aux grades. Voilà. Il y a ça, bien sûr, il y a ça, mais il y a au-delà de tout ça. Effectivement, on te fait toujours miroiter qu'il y a un secret, un truc important, tout ça, oui. Un secret, un mot de passe, des conneries. Mais en fait, le fond, c'est que tu sers un plan luciférien et que tu as clairement vendu ton âme au diable. Moi, quand je me suis fait initier, je m'attendais pas à signer un pacte. Tu vois, on m'a vraiment piqué le doigt et que je l'ai foutu sur une feuille et tout ça, et je ne l'ai pas vu arriver parce que j'avais les yeux bandés, tu vois. Ah, bah, ouais. Voilà. Donc après, dans les autres rites,
je sais pas comment ça se passe. Mais ça, je parle de mon expérience. Ouais, mais ça, ouais, on l'entend souvent. Puis j'ai déjà vu même dans des films où ils reproduisent un peu cette scène. Alors, c'est fait, genre, le mec arrive, on lui bande les yeux, puis il est jeté comme ça avec des gens. Mais en fait, c'est une scène d'initiation maçonnique qu'on reproduite, quoi. Ouais. Quand on le jette comme ça, ça on lui bande les yeux, puis il est jeté dans une pièce. Et puis... Moi, on m'a pas poussé. Enfin, je dis ça ouais, dans le film quand il caricature. Mais ouais, quand tu entres en loge la première fois au moment d'initiation, tu as une planche en balai ou un truc comme ça qui est mis à environ un mètre du sol et tu dois y entrer abaissé. D'accord. Soumission totale. C'est énorme. Et j'ai relu mes textes, les textes qu'il m'avait envoyés et tout ça, et j'ai encore mieux compris le lavage de cerveau que ça impliquait, mais quand tu y es, et que tu sais, quand tu as vraiment envie de rêver, si tu as un rêve, tu es prêt à vendre ton âme au diable pour y arriver, tu sais, c'est fort en toi. Tu es prêt vraiment à faire n'importe quelle connerie, hein, je te jure. Et moi, je m'en foutais de tout ça, quoi. Moi, j'étais prêt à dire amen à tout ce qu'on m'aurait dit, tu vois. L'important, c'était que j'arrive à mes fins, tu vois. Et voilà, donc j'étais comme ça, et voilà. Parce qu'à quel moment, alors, parce que ça, j'ai vu la question passer, on me dit, mais... Comment ça s'est passé ta révélation, c'est-à-dire qu'est-ce qui c'est vraiment quoi d'abus? C'est-à-dire que avant d'entrer en franc-maçonnerie, je savais que c'était pas un courant chrétien. Ouais, ça c'est clair. Je savais pas encore à quel point c'était luciférien. J'avais évidemment pas toutes ces connaissances. Je savais que j'étais pas du bon côté de la barrière. Et ça me posait un problème de conscience déjà, quand même. Quand même. en fait, j'étais avec une fille pendant 10 ans et elle se convertissait au christianisme. Moi, j'étais de l'autre côté, donc elle était du côté de la vérité, moi du côté du mensonge, tu vois. Et moi, j'y tenais à mon truc, hein, et je tenais pas du tout le même discours qu'elle. Et je voyais cette foi se renforcer en elle et je me demandais ce qui se passait au fond de moi, tu vois. Et je me disais, c'est dingue, ça me disait plus elle lisait la Bible, plus ça devenait limpide pour elle. Il lui est arrivé aussi des manifestations assez étranges, tu vois. Parce que, voilà, quand elle se convertissait, elle a eu quelques phénomènes vraiment très très bizarres. Elle m'appelait la nuit, elle avait peur, des choses comme ça. Et que quand elle se mettait à prier, bon, ça allait mieux. Et elle a eu vraiment des trucs bizarres. Et c'était pas du tout une menteuse ou... Donc ça m'avait quand même... Et j'ai commencé du coup à m'intéresser au christianisme, mais j'avais du mal à comprendre les choses. Et j'ai demandé à Dieu, tout simplement, est-ce que si tu existes, donc à ce moment-là j'étais en franc-maçonnerie, est-ce que tu existes, dis-moi si je suis dans une secte luciférienne. J'ai eu besoin de beaucoup beaucoup de signes. Et j'ai demandé, et Dieu s'occupe des malades, hein, il s'occupe pas de ceux qui vont bien en général. Donc il m'a répondu. Je suis rentré, j'ai demandé un signe, je prenais ma chienne à l'époque. J'ai demandé un signe, j'étais devant un Sacré-Cœur en pleine nature. Il n'y a pas besoin d'être devant un Sacré-Cœur, devant faire une prière, mais moi j'étais là. Je suis rentré chez moi, je reçois un mail d'une personne qui ne me connaît absolument pas, que je ne connaissais pas, et elle me dit, va voir sur ce site, ça pourrait t'intéresser. Et là je clique, et là c'était un site, franc-maçonnerie, secte sataniste. Tu vois. Voilà. Ça répondait directement à ma question 15 minutes après. Et j'ai commencé à avoir d'autres signes comme ça. À force de demander et vous recevrez, je recevais vraiment. Mais c'était au début, je me disais, c'est le hasard, tu vois, c'est le hasard. Admettons, c'est le hasard. Et puis en fait, ça au bout d'un moment, puis les choses, tu sens la foi grandir en toi en fait. Et il m'est arrivé plein de signes, ça serait un peu long de tout expliquer, mais j'ai eu beaucoup de signes, ça se manifestait même dans des petites choses, tu sais. C'est pas une apparition divine beaucoup t'imaginent, mais c'est que tu sais, au fond de toi grandit la certitude que Jésus-Christ est vraiment la vérité et qu'il est le chemin à suivre. Et voilà, et Dieu ne s'est pas arrêté à mon look, tu vois. Dieu va droit au cœur, tu vois, que tu sois... noir, blanc, handicapé, ou on s'en fout de ton look, t'as des tatouages, t'as les cheveux comme ci, comme ça, on s'en fout. Dieu va droit au cœur, parce que ce qu'il veut, c'est te sauver, parce qu'il t'aime. Moi, j'étais vraiment de l'autre côté de la barrière, tu vois, alors c'était pas gagné avec moi. Donc il s'y est repris à plusieurs fois, et à chaque fois que je demandais, une fois, je voulais voir un prêtre.